Et puis, tantôt 3 jours, l'opération a commencé sous pression et l'opération a continué. Là encore, circulation toujours pas rétablie dans la zone à cause d'affrontements entre groupes armés avec la police. Pour éviter trop de pertes environnementales, nous pas accepter mon au travail. C'est raison sa forêt et circulation bloquée jusqu'à maintenant. Et opération Saramalis a commencé depuis jeudi et nous capables d'y intensifier. Nous avons plusieurs images qui apparaissent sur le réseau qui fait croire que la police a déjà atteint plusieurs bandits armés. Oui, il y a plusieurs bandits qui sont tombés. Parce que les policiers ont fait pité, il y a un groupe de police qui est en charge, il y a un groupe qui est dans le blindé, et puis il y a un groupe qui est à pied, qui a marché et réel en réel, qui a cherché bandits. Et bandits n'ont pas payé autour. Des fois, ils ont sorti par exemple hier, et un groupe pendant un chat apparaît depuis le moment, ils ont fini casser caillou, et puis ils ont avancé, et puis ils ont sauté sous chat, la police a réagi, il y a 4 là-dedans qui m'ont tellement blessé. Et c'est toujours unité spécialisée PNH et pas gagné policier Kenyaon qui est sous terre. Non, policier Kenya, beaucoup arrivé, c'est unité PNH, à savoir IPO, SWAT, avec ITAG qui est dans l'opération. Mais unité Kenya, beaucoup arrivé. Et après, j'ai eu une autre information et au moment où on a dit qu'il est là, mais pour l'instant, on a beaucoup progressé. Il n'est pas trop loin, tout, mais pour l'instant, on a beaucoup progressé. Où dit la police a avancé dans le char, il est à pied, tout. Est-ce que nous sommes capables de dire que la police est censée presque une autre situation, notamment dans le centre-ville et Gressier? Non, la police, faut qu'on arrive dans le centre-ville, là, non, parce que monsieur était tellement pas espace qu'on y a la police dans une zone qui est des centaures. Avant centre-ville là. C'est là, la police où il est là, et après pour ces bandits. Donc bandits ont toujours un contrôle et par exemple dans l'espace commissariat. Oui, dans l'espace commissariat, ils ont toujours un contrôle parce que le centre commissariat a presque 1 km et des centaures avec l'espace côté la police avec le commissariat, de presque 1 km. Si nous bien comprenons, depuis jeudi jusqu'à lundi ça, pas gagné en circulation ni transport public ou bien machine privée qui traverse et sautille dans le sud. Pour entrer Port-au-Prince et décision sont décisions que la police prend pour éviter dommages collatéraux. Oui, c'est ça, lié. Pas ni motocyclette, ni mon à pied, ni machine, nous pas quitter ou traverser. Parce que dans le premier jour, il y a un monde qui t'a essayé de traverser sous machine, côté, même encore, même bandit, victime. Ou qu'attendez une information sur le réseau, à côté, vous prenez une machine, vous mettez différents bus pendant que nous rentrons dans le bus là encore. Et ça fait nous demander pour ne pas prendre route nationale numéro 2 à la direction Gressier. Même si nous sommes pas au prince, vous êtes là, car ici, là, pour rester pas monter dans la direction Gressier parce qu'il a bloqué, il n'est pas capable de traverser. Qui information qu'a nous de façon supplémentaire sur fait aux autres relatés la maïsca? Est-ce que quelqu'un monde qui mourit dans le bus ça? Bon, nous ne connaissons pas combien de monde qui mourit là-dedans parce que côté bandit au fait action, la police pour corriger. Dans son côté, on mettait différents dans le bus. Nous ne dire combien de monde qui mourit là-dedans, à combien pas mourir. Donc le mot d'ordre n'a pas changé, la prudence est de mise et tout le monde était dans la limite. Oui, tout le monde était dans la limite, on va traverser. Et les gains moyens pour machines circuler, nous-mêmes encore, nous apprenons la presse à faire qu'on est nous capable de traverser, mais à partir de qui nous avons traversé. Mais pour l'instant, nous n'avons pas traversé. Et ma prédit, nous prêter le micro là pour me dire encore. Bon, des journalistes ont été à distance parce que les bandits ont tiré dans toutes directions. Ils ont été à distance pour ne pas victimes. Les bandits ont même tiré dans la direction policière. Alors, pas à souhaiter pour les journalistes victimes. Ils ont demandé autour. Ils ont été à distance dans la zone combat. Voilà, on t'a poursuivre précision Jean-Vladimir Bertrand qui c'est magistrat Gressier. Je ne t'ai dit le titre Benji Régis qui gagne seulement 26 ans mourir avec non balle dans dos et c'est agent Bessap qui tire le cadre de yon gros bouche l'ouvri. Ça passe week-end là dans le département nord-est pays d'Haïti. En suivant plus précision à correspondant permanent nous Amos Junior Chol. Agent brigade sécurité air protégé au Bessap dans le département d'Odessa, continuer faire sans couler dans mitan population. Pendant le week-end, agent qui gagne base dans la section communale Méniac, commune Ferrier, touye Akbal, un jeune garçon, Benji Régis, 26 l'année. L'incident s'est produit selon un témoin. Dans le moment victime, il a fait un charbon en bas enragé. Agent yo, qui mandait Benji pour le payer un frais, toujours selon témoin. Victime n'a pas d'accord. Et c'est là, gen bouche l'ouvri,
pendant Benji a viré pour l'aller, pour le quitter, lieu de discussion, hein, à Jambé Sapio, Cyril Nando, témoin avec expliqué. Après constat légal, juge Justin Israël remet par un cadavre pour le mettre dans Mog for Liberté. Pendant agent B. Sapio mette vent en voile tout de suite après action. Selon moun nan zon nan, yo about ak agent sa yo ki pa suspend fouye Congo sou route la nan moment yo pral Saint-Domingue. Moun nan population meyak lan ki te sou kole yo krasé, brisé, brûlé, tout ça Besap te gen nan zon nan et yo annonce yo tann yon pokan a tout fumi pour les ap retourner. Depuis métropole département d'Est en Fort Liberté, Amos Junior Charles, Vision 2000. Merci Amos, on a sorti dans l'Odessa, on a rentré dans la capitale là pour nous faire connaître la fondation J'éclairé dit libre acte ordonnance juge Jean Wilner Morin prend pour voyer plusieurs monde à juger devant tribunal criminel sans assistant jury pour présumer participation dans cadre massacre qui était fait dans la Saline en mois novembre 2018. C'est une trentaine d'individus qui doit juger. Parmi eux nous qu'a cité Fidel Monchéri, Joseph Pierre Richard Duplan, Jimmy Chérizi alias Barbecue, Chéri Christo alias Chrisla, ak Hervé Barthélémy Bonheur ou Lionel Altona alias Boudjanjan. FJKL considéré ordonnance ça comme un pas qui est fait là dans bonne direction pour permettre lumière jaillir sous et ça qui est passé exactement dans quartier populaire ça la Saline dans mois novembre 2018 pendant il a déclaré criminel continue à bénéficier impunité pendant trop longtemps dans le pays d'Haïti. FJKL invité autorité en place pour capable prendre toute disposition pour permettre le process à réaliser dans le respect droit victime et inculpé. En suivant déclaration Marie Yolène Gilles qui est directrice exécutive FJKL, l'étape répondre d'Arbo Figaro. Ordonnance de renvoi que juge Jean-William Mouret sorti à nous croyons que FJKL lui-même li mande pour capable gagner bon gens pour c'est juste et équitable dans quatre dossiers ça. Nous prenons acte de publication ordonnance de renvoi juge Morin dans quatre dossiers massacre la Saline. Massacre ça, il y a plusieurs monde qui ont perdu la vie ou la donne, mais comme on connaît société a droit à la vérité, il était pour plainte. Juge là lui-même il travaille dossier là et n'a pas ces motifs là non élicité même monde qui mourir que la police a constaté la mort et il décide de voyer devant le tribunal plusieurs dans le monde qui est culpé d'après lui-même dans quatre dossiers ça tant pour Hervé Bonnet et Barthélémy alias Boudjan Jean bien Policar Filanto bien Caliston Rosie Claire bien Chéri Chrisla alias Chrisla bien Chérizier Jimmy alias Barbecue. Il y a plusieurs mondes qui citaient dans le cadre à faire ça, côté juge là lui-même, lui voyait à le juger. FJKL considérait que l'ordonnance ça c'est un pas dans le cadre de bataille qu'a mené pour vérité avec la justice sortie. Donc c'est pour ça, nous croyons que juge ordonnance juge là, il confirmait implication au sein de officiels dans l'État dans le massacre la Saline, sans que le pas considérer le massacre là comme un crime d'État. FJKL invite autorité établie pour prendre toutes dispositions nécessaires pour réaliser un véritable procès dans le respect et droit à monde qui est victime et droit à monde qui est inculpé.